L'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, est un immense territoire éloigné du cœur de Montréal. Situé complètement à l'est de l'île, certains disent ici qu'à l'heure de pointe, il est parfois moins long de se rendre à Trois-Rivières qu'au centre-ville. Est-ce que j'ajoute un peu de temps pour le solidifier? On se sentait d'ailleurs bien loin de la ville ce matin-là. La mairesse sortante, Caroline Bourgeois, plantait des arbres sur l'île Sainte-Thérèse, face à Pointe-aux-Trembles. L'arrondissement souhaite y créer un parc récréotouristique en collaboration avec le gouvernement et la ville de Varennes, de l'autre côté du fleuve. On parle 5,4 km² environ d'une île qui est à proximité, là, on la voit de chez nous. Et c'est toujours dans cette idée de pouvoir mettre en valeur nos espaces naturels. L'engagement cadre bien avec la grande priorité de Projet Montréal pour l'arrondissement, embellir le milieu de vie. C'est un parc linéaire sur 4,25 km. Caroline Bourgeois nous a montré la transformation d'une ancienne voie ferrée en sentier pour les piétons et les cyclistes. Souvent, on associait la pointe de l'île, notre arrondissement, on parlait des raffineries. On parlait « c'est loin, c'est gris ». Puis moi, c'est tout le contraire. Ce qu'on nous parle maintenant, c'est justement de ces projets verts qui mettent en valeur les lieux. Dans le nouveau parc, nous croisons cette électrice, contente de la transformation, mais qui ne sait pas encore pour qui voter. La mairesse de l'arrondissement semble vouloir s'occuper beaucoup de Pointe-aux-Trembles. C'est juste la mairesse de Montréal qui est plutôt centre-ville, je trouve. Elle est plutôt beaucoup piste cyclable. Cet argument, on l'entend souvent dans un arrondissement où le style de vie est plus proche du 4-5-0 que du plateau, où tout est plus axé sur l'auto que sur le vélo. Êtes-vous satisfaite de l'administration Plante dans les dernières années? Non. Pourquoi? Trop de pistes cyclables. Ici, à Pointe-aux-Trembles, il y a des places, il n'y a même pas de trottoir. Mais il y a des pistes cyclables. Moi, je suis du côté de Valérie Plante. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a apporté un vent de changement à la mairie de Montréal. Je ne dis pas que ça a été parfait, là. Il y a eu peut-être un peu trop de pistes cyclables, peut-être, là. Il faut nécessairement aménager la piste à un meilleur endroit pour que ça soit sécuritaire. Lynne Laperrière, la candidate pour le parti de Denis Coderre, a choisi, quant à elle, de nous amener sur le boulevard Gouin, là où les deux voies de circulation ont été réduites à une seule et où les camions de livraison barrent parfois la route. Les pistes cyclables, c'est un irritant pour la majorité de la population, pas seulement au centre-ville, mais également ici, dans notre arrondissement. On ne veut pas nécessairement les éliminer. Il faut simplement les sécuriser tout d'abord, puis ensuite harmoniser pour que les déplacements soient plus fluides. L'embellissement, c'est bien, mais il faut aller aussi aux besoins essentiels des gens. Au niveau des infrastructures... Dans l'est de l'île, l'enjeu de la mobilité va bien au-delà du débat sur les pistes cyclables. Parce qu'on est les oubliés. Le transport, c'est horrible. Le transport, là, il est pas mal déficient. Là. Juste en termes d'investissement. Je regarde, par exemple, à Rivière-des-Prairies, en réfection routière, on a refait le boulevard Gouin, on a refait Perra, Maurice-Duplessis et Henri Bourassa. Si elle est réélue, Caroline Bourgeois tentera de convaincre la Caisse de dépôt d'ajouter quelques stations au REM de l'Est. Il faut absolument, si on appelle REM de l'Est, il faut que Rivière-des-Prairies soit inclus. On va avoir votre appui aux prochaines élections? Oui. Lynne Laperrière est d'accord. Elle promet aussi d'ajouter des autobus. Il faut nécessairement augmenter la fréquence pour répondre aux besoins. Faire une distance de quelques kilomètres, ça peut prendre 40 minutes dans notre même arrondissement. Et elle veut plus de bateaux vers le centre-ville. Les navettes, on ne peut pas s'en passer. On est privilégié, on est entouré d'eau. C'est un projet qui a fonctionné quand même depuis plusieurs étés. On veut augmenter cette fréquentation-là. L'autre enjeu important, c'est la sécurité. Dans le nord-ouest de l'arrondissement, les coups de feu sont désormais fréquents en raison des conflits entre gangs de rue. Je me trouve dans un quartier de Rivière-des-Prairies qui est calme, qui est familial, assez bien nanti. Il n'y a rien qui indique qu'on est dans un des secteurs les plus chauds de toute la ville de Montréal. Et pourtant, c'est le cas. Depuis quelques mois, les fusillades se multiplient dans les environs. En septembre, juste ici où je me trouve, à cette intersection, une douzaine de coups de feu ont été tirés en plein jour, d'ailleurs. La victime est allée se réfugier dans la maison que vous voyez derrière. La porte est encore barricadée. Deux fusillades qui sont arrivées à côté chez nous. Puis moi, j'ai deux chiens, puis j'ai un pitbull, puis j'ai peur personnellement de marcher le soir avec mes chiens. Je ne sais pas comment régler ça, mais c'est rendu que c'est... On a peur. On a peur ici. Plus de sécurité, sinon moi, je déménage. À entendre les solutions proposées, on pourrait presque croire que Caroline Bourgeois et Lynne Laperrière sont dans le même parti.
On a une augmentation du nombre de policiers qui sont présents sur le territoire, mais c'est aussi la réponse n'est pas que policière. Et il faut travailler aussi avec les groupes communautaires, comme on le fait déjà, d'embauche, bien sûr, de travailleurs de rue. On va nécessairement augmenter les effectifs des corps policiers. Pour nous, c'est important. On doit mettre l'accent sur la surveillance, les interventions, financer davantage les OBNL, travailler avec eux pour financer leur mission. Dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, comme ailleurs à Montréal, les promesses de Projet Montréal et d'Ensemble Montréal sont souvent similaires.